Bonsoir à tous, 18h tout pile, vous êtes sur 01net TV, c'est avec énormément de plaisir qu'on vous retrouve pour le 01 Live Hebdo, chaque jeudi, vous le savez, 18h, 18h30, c'est parti pour toute l'actualité high-tech avec Jérôme, un 01 Live spécial. Regardez, il est là. Tu cherches quoi, le Père Noël? Non, alors toi, évidemment, tu as un petit look de Père Noël, mais juste à côté, regardez, à côté de Jérôme, il y a un beau sapin. Ah oui, il est magnifique. Florian nous a fait un beau sapin. Ouais. C'est Florian d'ailleurs ou c'est toi un peu, je crois? C'est Florian et Jean-David, c'est tout le monde et Pierre aussi. Voilà, mais vous le verrez mieux tout à l'heure. Vous savez, c'est comme une belle femme, hein, pas tout de suite. Voilà, petit à petit. D'accord, voilà. Le ton est donné. Je vois comment ça va se passer. Voilà, vous l'avez compris, c'est un 01 Live pas comme d'hab que nous allons vous proposer ce soir, car c'est Noël avant l'heure sur 01net TV. On va prendre plaisir à découvrir toute une sélection de cadeaux de Noël. Et oui, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on vous a suggéré pas mal d'idées cadeaux. C'était le cas la semaine dernière avec un live spécial Jérôme que tu as réalisé. Spécial Jérôme, oui, absolument. Voilà, avec toute la rédaction. Mais là, on va revenir sur les coups de cœur de chacun. Ouais. On a trois coups de cœur, pas plus. Alors, chacun. Peut-être que toi, tu en as un quatrième, on verra. Mais on ne sait pas trop. Trois coups de cœur chacun. Voilà. Trois cadeaux qui nous font rêver et qu'on aimerait bien avoir sous notre sapin. Voilà, vous aurez pratiquement toute la rédaction de 01net. Exactement. Donc, programme un petit peu chamboulé, mais plein d'idées cadeaux, plein de trucs à découvrir. Restez avec nous, c'est parti. Comme d'habitude, François, la question 01net Orange de la semaine. Quel cadeau de Noël attendez-vous? Espérez-vous? Eh bien, dites-le nous. Hein, on vous a fait une petite sélection. Dites-nous si c'est plutôt un smartphone, une télé, etc. Vous allez pour cela sur www.01nettv.com et on fera le point comme d'habitude en cours d'émission. Voilà, qu'est-ce qui vous fait rêver pour Noël? Dites-le nous. Et puis, peut-être qu'une enceinte Bluetooth vous ferait rêver. Alors bon, c'est Noël depuis un moment sur 01net TV, chaque jeudi soir. Mais ça se poursuit. Voilà, encore une occasion pour vous de remporter cette enceinte Divacore, la Cthulhu 2. Voilà, une enceinte sympathique qui vous délivre un bon son et qui est pratique aussi puisqu'on peut brancher son smartphone pour le recharger au cas où il n'y a pas plus de batterie. Donc ça fait office aussi de batterie supplémentaire. Et comment on fait pour la gagner? Eh bien c'est tout simple, il faut aller sur 01nettv.com aussi, Jérôme, et répondre à la question qu'on vous pose sur la gauche de votre écran. Voilà, il y a une petite question qui est justement liée au coup de cœur de Noël de Delphine Sabatier. Si vous avez la bonne réponse, mais eh bien voilà, ça sera pour vous. Mais ça tombe bien, elle est là. Je ne révélerai rien. Bonsoir Delphine. Bonsoir Delphine. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Directrice des rédactions de 01net.com. Delphine qui a une belle chemise, un petit peu en paillettes. Je ne sais pas si on le voit là. Vraiment. Ça brille, c'est un peu ça Noël. Brille un peu. Ce sont des petits flocons de Noël. Ah, c'est magnifique. Ouais, très, voilà, très dans l'actu. J'ai pas mis le bonnet, je vous ai épargné oui, ça. Mais ce sera pour tout à l'heure, c'est passage obligé. Très bien. Hein, ah, bonnet pour tout le monde ce soir. Allez, bon, moi j'y vais. Tu n'y échapperas pas. Non, non, tu n'y échapperas pas. Non, parce que j'ai pas une tête à bonnet. Moi, j'ai justement, un truc à faire dans 5 minutes. Donc, voilà. Oh non, après, ça va pas être bien, non. Bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, écoutez, on a plein de choses à se dire, les amis, puisque donc chacun va nous donner ses trois coups de cœur pour Noël. Et évidemment, nous allons commencer par Delphine. Delphine qui, donc, est allée puiser dans tout ce qui est disponible aujourd'hui, notamment sur le site 01net.com. Absolument. Et qu'est-ce que vous nous proposez? Je commence par le moins cher, si vous voulez vous faire plaisir vraiment à petits frais. Chromecast Audio. Voilà, je trouve que c'est un petit cadeau très sympa, très pratique. C'est 40 euros maximum. Enfin, vraiment, 40 euros, c'est le prix constructeur, donc on peut le trouver à moins. On rappelle en deux mots ce que c'est. Très pratique parce que ça permet de transformer en fait n'importe quelle enceinte ou votre chaîne Hi-Fi en diffuseur Wi-Fi. C'est-à-dire que même si votre chaîne n'a pas le Wi-Fi, eh bien c'est très simple. Avec ce Chromecast, vous le branchez avec sa prise jack, tout simplement, et ça transfère vos musiques que vous avez sur votre smartphone, votre PC ou votre tablette. Donc voilà, c'est du multi-room à petit prix. En fait. Exactement. C'est vrai que c'est un petit cadeau. Un petit pas appareil cher, malin, exactement. Et alors, il faut quand même savoir que ça ne fonctionne qu'avec les services en streaming. Ça ne va pas diffuser quand même les musiques que vous avez stockées sur vos appareils. Ça faut le savoir. Ça alors. Marche avec Deezer, avec Spotify et Google Music, évidemment. D'accord. Et puis, il faut bien sûr brancher ça sur une enceinte. Hein. On a bien compris, il n'y a pas d'enceinte dans ce système-là. Hein. Ah oui, oui, non. C'est vraiment pour transformer un équipement audio qui n'est pas sans fil en équipement sans fil.
C'est mignon tout plein. Yoni te dit bonsoir Delphine. Ah, Delphine bonsoir, en début d'émission, c'est super dans Zéro en live. Et nous, il ne nous dit pas bonsoir Yoni. Non, non, il s'en fiche de toi. Mais il a déjà fait sans doute. Il n'a pas mis la chemise avec le faucon et les strass. Voilà, c'est ça David. David a tout compris, ben ouais, mais bon. Mais pourtant j'en ai une de chemise avec des strass, mais j'ai pas osé. Bon, enfin, c'est pas grave. Deuxième coup de cœur de Delphine. Le premier de l'an. Alors mon deuxième coup de cœur, c'est un peu une question en fait. J'aimerais bien qu'on m'aide à me décider. Voilà, donc c'est l'Overboard. David gentiment me l'a prêté. C'est un skate électrique de retour vers le futur. Alors ça plane pas vraiment, mais on peut aller très très vite avec. Ça va jusqu'à 20 km/h. C'est absolument spectaculaire. Quand on monte dessus au début, il faut faire attention. Il faut prendre le... Mais j'ai des hésitations. D'abord, c'est cher. Ce modèle en particulier, il est à 890 €. Même si les promos, on l'a vu là, à 650. C'est quand même c'est pas un petit cadeau. Donc il y a le prix, il y a le poids aussi. C'est 12 kilos, 10 à 12 kilos. Ah oui. Donc à transporter, c'est pas hop, je le mets sur l'épaule et je descends, je vais me faire une balade. C'est quand même assez lourd pour un enfant. En tout cas, il faut y réfléchir avant. Il y a le temps d'apprentissage aussi. Troisième point, c'est dangereux. Moi, je me suis fait très très mal aux gros orteils. Parce qu'en fait, à peine vous vous penchez en avant, au début, on a envie d'aller très vite, tout de suite. Donc à peine on se penche en avant un peu trop violemment, paf, on peut se prendre les pieds dedans. C'est vraiment, on sent le moteur. Moi, c'est ça que j'ai trouvé génial aussi. C'est un peu comme si on conduisait une Porsche. On sent le moteur sous ses pieds. Voilà, et je trouve c'est vraiment très chouette. Ça vibre sous les semelles. C'est une Porsche à 800 €. Non, mais c'est très fun. En même temps, t'as raison, c'est pas cher finalement. Bah non, c'est pas cher. Par rapport à une Porsche, non. Voilà, mais bon, j'ai quand même des questions, j'arrive pas à me décider. Mais c'est vrai que c'est très sympa, moi je l'ai essayé aussi, et bon, ça a l'air un peu casse-figure au début, mais on s'y fait rapidement, hein, on comprend vite comment ça marche. Casse-figure, toi. Moi je dis casse-figure. C'est tellement classe. Voilà, exactement. C'est tellement que c'est casse-figure. Voilà, bon, c'est mon coup de cœur, et en même temps, voilà, j'hésite. Bah, la question c'est ça, c'est qu'est-ce que vous me conseillez, est-ce qu'il faut que je craque ou pas? Ah, alors c'est David, l'expert. Est-ce que Delphine pourrait venir au travail avec? C'est ça la question. Ah bah non. Ça fait un peu loin. Ah non, parce que je préfère quand même la voiture. En fait. Oui, voilà. Je sais. Non, mais c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut, David, puisque David est donc spécialiste de ce genre de produit, est-ce qu'on peut circuler dehors, sur le trottoir, dans la rue, etc. On peut circuler sur le trottoir. Il y a quand même, ça encaisse assez mal tout ce qui est relief, trottoir. Là, on a vu descendre un trottoir. Effectivement, si le bateau est un peu haut, il faudra du coup se baisser. Et là, c'est vraiment se baisser très bas, prendre ses 12 kilos, les porter pour passer la petite marche. Bon, après, un skate, c'est aussi ça. Un skate, c'est fun. On le prend, donc, on le repose. Bah, après, c'est vrai qu'une fois qu'on a pris le coup, on peut commencer à Et les petits cailloux, les pavés, tout ça, ça donne quoi? On n'est pas en confiance, honnêtement, sur tout ce qui est pavé, etc. Et puis voilà, il faut vraiment avoir une bonne stabilité et encaisser tout ça. Non, mais en plus, les amis, il y a un problème, c'est que ce truc-là, il a été interdit à certains endroits. Il est interdit à Londres. Le problème, c'est que... Il est interdit. Alors attends, non, c'est pas ce modèle qui a été interdit, il faut bien préciser là. Ce modèle, modèle à 890 €, il n'est pas interdit, il est certifié CE, il n'y a aucun risque dessus. Alors quel modèle a été interdit dans certains pays? Il y a de mauvais modèles avec de mauvaises batteries qui prennent feu. Ah, c'est un problème de base. C'est-à-dire que là, on va très très vite, mais c'est parce qu'on est en fait. C'est soit pendant la charge, il y a des fuites, du coup les batteries s'enflamment, etc. Ah, c'est pas interdit pour des problèmes de sécurité dans la rue? Non, a priori, il n'y a pas de... Alors effectivement, il y a des salons, notamment sur... Enfin, j'ai vu passer rapidement une petite news qui dirait que le CES va refuser les overboards sur le salon. Ah, oui. Donc, parce qu'il y a de mauvais modèles. Vraiment, là, celui-ci, c'est un produit avec une batterie qui est de marque Samsung, qui est garantie 2 ans. Ils ont des boutiques physiques. Il y a un vrai entretien derrière. Et les tests le prouvent, puisqu'on l'a actuellement en test au labo. Moi, je l'ai branché toute la journée avec la caméra thermique. Il n'y a rien qui chauffe. Donc, vraiment, il n'y a pas de problème sur ce modèle. Donc, l'overboard, oui, mais pas en dessous de 800 €. Alors, en dessous de 800 €, c'est pourquoi pas, parce qu'il y a des promos. Maintenant, il y a beaucoup de modèles qui sont à 300-400 € sur Amazon. Cela, il faut attention. Et ça, il faut faire très très attention, parce qu'en plus, sur les différentes vidéos qu'on a vues sur le net, on voit que les témoignages disent « je l'ai acheté sur Amazon et puis j'ai aucun recours parce que le revendeur n'était pas clairement spécifique, pas clairement indiqué ». Et voilà. Et là, entre... le modèle qui prend feu et qu'on peut éteindre et celui qui fait brûler la maison, c'est compliqué. Il y a aussi un modèle, on a vu, avec connexion Bluetooth pour écouter de la musique en baladant. C'est un objet fun. Bon, ça c'est la classe. Pour tous les voisins qui profitent de la musique pendant que vous baladez. Mieux le modèle avec le frein ou la ceinture de sécurité, je pense. Bon, Delphine, alors l'overboard, on est partagé. Hein, vous avez vu. Ouais. Allez. Bon, je vais encore réfléchir, j'ai encore un peu le temps. Troisième, alors mon troisième cadeau de Noël, c'est un site internet en fait. Je ne sais pas si vous connaissez les garçons, Gémio, mais justement j'aimerais bien que vous commenciez à vous y intéresser. En fait, c'est un site qui propose des bijoux sur mesure.
Et c'est des créations vraiment très jolies. Je ne sais pas si vous avez vu cette pub sur YouTube avec le petit charreau. Ça a fait le tour de la toile, ça buzz énormément. C'est de la très belle joaillerie à des prix beaucoup moins chers que ce qu'on connaît traditionnellement. Et puis surtout, c'est plein de bonnes idées. Donc, notamment, mesdemoiselles, par exemple, je vous conseille, il y a un petit formulaire qui permet d'envoyer un mail à monsieur pour lui dire... Ben voilà, monsieur, votre femme, on est sûr que ce modèle-là en particulier lui ferait vraiment très plaisir pour Noël. Donc voilà, c'est un site avec plein de bonnes idées, c'est vraiment des très beaux bijoux. En bonus ou pas ? Non, ça c'est juste pour le plaisir des lolcats, mais non, non. Ouais. Ils ont un petit poussin qui arrive aussi. À mon avis, il n'est pas vraiment rose. Non, j'espère. Non, non, je me suis renseignée auprès de la fondatrice. Ce qui est joli, c'est l'histoire du couple qui a monté ce site. Ils cherchaient une bague pour leur mariage et finalement, ils n'ont pas trouvé... bague à leur doigt, et donc ils se sont dit on va les créer nous-mêmes. Ils ont lancé ce site et donc ce petit chat existe, mais il n'a pas été teint en rose, rassurez-vous, c'est juste du Photoshop. Bon, très bien. On a eu chaud. Merci Delphine. Merci voilà, en tout cas c'est une belle idée de cadeau, vraiment allez voir. Super. Merci Delphine, allez on met le bonnet. Allez. Attention, parce que vous savez qu'on a eu quand même pas mal d'auditeurs. Ouais. Delphine n'est pas habillée en Mère Noël, et bien là voilà. Et ben voilà. Il y a un trou sur mon bonnet, mon Dieu. Alors attends. Ça vous va très bien. Il faut que je cache le trou. Voilà, ça c'est superbe. Magnifique. Voilà, il manque plus que les rênes. Et on est bon. Merci Delphine. Merci et bonne fête à tout le monde. À très bientôt. On sera là la semaine prochaine d'ailleurs, hein, Jérôme. Oui, absolument. Ouais. Bien sûr. Il y a juste un mot. Lucien sur Twitter nous dit « Je veux un casque audio, lequel me conseillez-vous » Reste avec nous Lucien, car on en parle tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Et après Delphine, on va enchaîner avec David Noguera, hein, qui est avec nous. Alors rebonsoir David. Rebonsoir. Les coups de cœur de David Noguera pour ce Zéro en Live spécial. Ouais, j'ai resté dans la mouvance des choses qui... des véhicules qui roulent, moi, les trucs. Les petites trottinettes cette fois-ci. Une trottinette électrique. C'est vrai que j'ai longuement hésité avec un autre produit qui est un produit SmartPed. C'est la petite trottinette qu'on a eu avec les très grandes roues, mais qui pour l'instant reste un projet Kickstarter et livré à ceux qui ont passé les premières commandes. Excuse-moi, je te coupe David, mais ça me fait rire parce qu'à chaque fois on te voit circuler sur le trottoir à côté de la radio, enfin de Zéro voilà, Net, ouais. Et on te voit alors soit sur des trottinettes, soit sur des vélos, soit sur des overboards, etc. Fusées, j'adore. Voilà. Et donc là effectivement, bon là j'ai tenté sans les mains, mais c'était pas encore. T'as voulu un peu frimer quand même là sur ce coup-là. Je voulais essayer, bon voilà, rien ne m'arrête, donc j'ai voulu essayer. Donc cette Citybug XC2 quand même, c'est vrai que c'est 899 €, mais c'est beaucoup plus fiable, enfin pas fiable, mais sécurisant que finalement le ouais, skateboard c'est moins de tout que à l'heure, que la simple roue que j'ai aussi testée effectivement sur d'autres produits. Là vraiment ce produit, l'avantage par rapport aux autres trottinettes, en fait j'ai envie de dire, c'est que son moteur qui est dans la roue arrière, eh bien finalement vous tracte vraiment, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de... un moteur qui prolonge ensuite via l'assistance électrique. Là on c'est vraiment, à l'arrêt, en fait. On peut faire effectivement deux petites impulsions et on pousse sur le guidon une fois pour aller doucement, deux fois pour aller un petit peu plus vite, 20 km/h encore. Et finalement on se déplace, moi je suis allé jusque dans le 15e, Tour Eiffel, etc. Non, je suis allé jusque, enfin je suis revenu plus précisément du côté de la Tour Eiffel, et c'est quelque chose qui est tout à fait voilà, qui peut c'est pratiquer l'une des tout chemin électrique du moment, pour l'instant en tout cas, de ce que j'ai testé, oui c'est vraiment l'une des meilleures trottinettes électriques. Tu l'as dit en... une vingtaine de kilomètres, ce qui est pas mal voilà. Quand même. Voilà, donc après une fois qu'on en a fini on la replie, là c'est un peu plus simple pour monter des escaliers, même si ça pèse quand même près et on a le droit de circuler sur le trottoir avec ça. Non, une forme de tolérance, mais vaut mieux se prendre quand tout le monde en aura, ce sera interdit, oui, ou effectivement plutôt à piste cyclable, etc. C'est quand même... Voilà, donc beaucoup plus... Quelle élégance, David Noguera, là, dans ah oui, vraiment, là. Sa petite trottinette, il est tellement mignon. C'est facile de se moquer. Ah là là. Ah non, non, pas du tout. Non, mais franchement, ça, c'est vraiment un super cadeau. Alors, il faut en avoir l'utilité, par exemple, ne pas habiter trop loin de l'endroit où on travaille, de pouvoir, etc. Mais c'est vrai que c'est en fait, vraiment super. C'est une bonne alternative au vélo, finalement, si on n'a pas envie d'arriver au bureau un peu en sueur. Du coup, on marche pas beaucoup. Du coup, on marche beaucoup moins et on pousse encore moins qu'avec les autres trottinettes. Et voilà. Là, c'est vrai qu'il faut compenser le midi en allant au sport. Bon, voilà. Allez, deuxième coup de cœur de David. Deuxième coup de cœur, on va enchaîner avec un produit un peu moins cher, puisque j'en ai déjà un peu parlé sur ce plateau, mais c'est la Samsung Gear S2. La montre connectée, je sais qu'encore pas mal de personnes se disent une montre connectée, pourquoi faire ? Moi, je trouve que quand même, sur les derniers produits, on arrive à avoir des choses assez bien faites. Et cette Gear S2 qui fonctionne sous Tizen, eh bien, c'est son cas. Vraiment, elle a de jolies applications. Bon, l'autonomie, c'est toujours encore, pour être sûr, il faut
faut toujours la recharger en fin de journée pour ne pas être pris un peu au dépourvu le lendemain. Mais voilà, la notification des messages, des mails, la reconnaissance vocale, tout ça, c'est des applications qui sont au point, je trouve. Et ce modèle, si je la préfère par rapport à d'autres versions sous Android Wear, c'est qu'elle peut être vraiment autonome. On peut vraiment faire des choses sans avoir son smartphone, composer des messages, configurer des applications. Donc, voilà, donc pour moi, l'une des meilleures montres connectées aussi pour cette année, et 349 €, je ne sais pas si je... Mais vous savez que les montres connectées, d'après le dernier pointage GFK, ça va faire partie quand même des choses qui devraient se vendre, des cadeaux de Noël qui vont bien se vendre. Je suis pas surpris, je pense qu'il y a quand même un potentiel pour tous ces tiroirs qui vont être pleins de montres connectées dans 3 mois, ça va être terrible. Oh, mais qu'il est de mauvaise foi, lui. Mauvaise foi, mais c'est pas possible. Mais non. Espérons qu'en tout cas, ces montres connectées aient une destinée un petit peu plus souhaitable que, eh bien, que les quoi, bracelets que la tienne, connectés. Mais c'est parce que toi, les bracelets tu t'en connectés. Sers pas. Je parlais des bracelets. Oui, bon. David, troisième coup de cœur. Troisième coup de cœur, un drone. Parce qu'effectivement, c'est... qu'on a toujours besoin d'un petit drone chez drones. Soi. J'aime bien les drones, je trouve ça très amusant. Le problème, c'est que souvent, on joue avec 10 minutes et puis la batterie est à plat. Et puis pour le coup, il se retrouve dans le tiroir. Là, le Xero Explorer V, c'est quand même 20 minutes d'autonomie. Et surtout, c'est un produit très, très, très polyvalent, très puissant. Donc, j'ai eu aucun problème... d'autres modèles qui vacillent un peu dès qu'ils sont à l'extérieur et qu'il y a du vent. Celui-ci est très très stable et il a surtout beaucoup de fonctions qui permettent de se faire plaisir, puisque grâce à son antenne GPS, on peut l'envoyer à différentes coordonnées et le faire voler en extérieur. Encore une fois, c'est très très simple puisqu'il est livré avec une télécommande, retour d'image sur le smartphone. Donc un produit très simple à prendre en main et assez performant finalement pour démarrer, débuter et ensuite aller jusqu'au stade de l'initier et envisager de faire des plans aériens, puisqu'en plus il a une caméra qui est complètement stabilisée. D'accord. Voilà. Donc là on est sur un produit plutôt à 1 000 €. Mais oui, mais c'est vrai que forcément, dès qu'on veut un drone un peu costaud, qui fait sérieux, des jolies choses, voilà, c'est vraiment c'est le tarif. Merci beaucoup David Noguera. Voilà, il y aura sous le sapin de David Noguera à la maison, eh bien, au moins ces 3 cadeaux. Enfin, je ne sais pas. Au moins ça. Et peut-être d'autres. Et j'ai une commande aussi. Oui, c'est ça, il y a la commande aussi qui arrive. Merci David. Merci David. Est-ce que David n'a pas tenté le bonnet. Non, mais j'ai pas une tête à bonnet. Le petit bonnet. Je vais laisser ça, allez. Non, mais David, malheureusement, ça ne suffit pas, ce genre de pas avoir d'argumentaire, moi. Tu vas voir, bon, c'est juste pour la postérité, après on efface. Je tente le bonnet. Oui. On efface les cassettes après. Voilà. Ça fait un peu Père Noël russe, non? Ah, il est très très beau, magnifique. Ça te va très bien. Ah oui, superbe. Bon, franchement. Ouais. C'est fait. Merci David. Jean-Sébastien Zanqui aussi va mettre son bonnet, mais avant on va l'écouter quand même. Ah ben oui, Jean-Sébastien, on est obligé. Comment ça va? C'est bien, très bien. Jean-Sébastien Zanqui, ses coups de cœur dans un instant. Moi avant, Jérôme, un point sur notre sondage. La question 01net orange du jour, quel cadeau de Noël attendez-vous, espérez-vous? Regardez, eh bien, ce qui arrive en tête, c'est la catégorie autre. Alors il y a un peu de tout là-dedans, évidemment. Je ne peux pas trop vous dire, je n'ai pas de détails. Je veux un autre cadeau. Je veux autre chose. Sinon, en tête, l'audio avec un casque ou une enceinte, suivi par le smartphone, un ordinateur, un objet connecté ou une tablette. On sait que les tablettes, c'est pas forcément ce qui est la cote cette année à Noël. En tout cas, bon, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, les casques et les enceintes ont toujours la cote. Hein, cela dit, peut-être que dans les autres, il y a notamment les trottinettes et les overboards dont on vient de parler. Ouais. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à voter en évitant autre, comme ça, ça affinera quand même le truc. Si vous pouvez, autrement, c'est pas grave, vous mettez autre et puis on fantasme derrière. Oui, oui. Bon, Jean-Sébastien. Les coups de cœur de Jean-Sébastien Zanqui, la rédaction de Zeronet.com. Oui, bah justement, on parlait d'audio là, dans le sondage. Moi, un de mes coups de cœur de cette année, c'est l'enceinte Bose Soundlink Mini 2. Je suis d'accord. Exactement, je vois qu'il y a des adeptes. Donc c'est la toute petite enceinte de Bose, ultra portable. Ça fait 600 grammes, ça a une autonomie de 10 heures et surtout, ça a une puissance vraiment étonnante par rapport à la taille, parce que on arrive à sonoriser une pièce, on va dire, habituelle. Enfin, voilà, on se demande comment on peut avoir autant de sons vraiment, c'est impressionnant, qui peut sortir d'un petit truc comme ça. Exactement. Et puis, le côté vraiment compact est très sympa, puisque moi, je sais que dès que je suis en déplacement, je la porte avec moi, je la mets dans ma valise et puis hop, on la sort dans sa chambre d'hôtel. C'est la petite Bose, c'est ça? Exactement. Mais c'est l'ancienne ou la nouvelle? C'est la nouvelle. C'est la nouvelle. C'est la nouvelle. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Alors la nouvelle, déjà génial, c'est surtout en termes de connexion Bluetooth, c'est-à-dire que l'ancienne, il fallait à chaque fois qu'on voulait changer d'appareil, déconnecter l'ancien appareil, reconnecter le nouveau, c'était un petit peu fastidieux. Là, on peut jumeler tous ces appareils en même temps et dès qu'on lance le son, il la reconnaît automatiquement. Donc voilà, il y a tout ce côté un petit peu fastidieux de la configuration qui n'existe plus avec la nouvelle. D'accord, très bien.
Effectivement, les enceintes audio, de toute façon, ça va encore une fois cartonner à Noël très certainement. Hein. Oui, sûrement. Parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de choix, de plus en plus de tarifs aussi. Hein. Oui, oui, il y a de quoi faire. Il y en a des moins chers. Il y a des choses qui vont vers la Hi-Fi plutôt, d'autres comme celles-ci qui sont plutôt transportables. Donc il y a des choses à faire. C'est plutôt pas mal. Le deuxième coup de cœur de Jean-Sébastien. Ben, le deuxième coup de cœur, c'est la tablette Pixel C de Google qui vient simplement de sortir. Là, c'était mardi, tout simplement. Elle est dispo depuis mardi. On l'a reçue au labo, on la teste depuis quelques jours. Et on s'est rendu compte que, par exemple, en termes d'autonomie et de puissance, c'était vraiment quelque chose de valable. Enfin, Google a réussi son coup. Parce que, par exemple, on a mesuré une autonomie en surf de 16 heures par rapport à, par exemple, l'iPad Air 2, qui est de seulement 9 heures. Donc, vous voyez, il y a quand même une sacrée différence. Ouais, exactement. Donc, c'est vraiment intéressant, même au niveau de l'écran est très joli, avec une belle résolution 2560 par 1800 pixels. Et puis le design, assez sympa aussi, avec une coque en alu, plus ce clavier en option. Alors là, ça sera un clavier en option à 169 €. Pardon. Ça devient la mode, hein, c'est la mode maintenant, les claviers en option. Voilà, en fait. Pourquoi pas remplacer le PC, mais bon, ça commence pour le à faire... Pro 4, etc. Bah, en même temps, c'est normal, puisqu'il y a un clavier virtuel intégré, et puis ça reste une tablette. Au départ. Voilà. Le clavier de la Pixel C est vraiment sympa à utiliser. Ouais. Hein. Pour le coup, c'est pas un gadget. On peut vraiment l'utiliser avec sans problème. Alors c'est rigolo parce qu'il se clipse dessus avec un écran, enfin un système magnétique. Et en même temps, du coup, il recharge la tablette aussi. Donc c'est plutôt bien fichu. Allez, le troisième coup de cœur de Jean-Sébastien. Eh ben, le troisième, ça sera le service de streaming Apple Music. Alors, voilà. C'est une bonne idée ça. Ouais. Alors ça peut pas être peut-être un peu étonnant. Je veux dire, un service forcément. Non mais c'est pas ça. Un service de streaming, je voulais comme cadeau de Noël, offrir un abonnement pour Apple Jérôme. Music ou ouais. Non, on te taquine. Mais je sais, on vous êtes enfin. Ben oui. On peut offrir une carte iTunes d'un certain montant et puis la personne peut s'abonner quelques mois au service de streaming. Ouais. Et bon alors déjà, on va commencer quand même par les défauts parce qu'il y en a quelques-uns malgré tout, c'est en termes d'ergonomie, il y a encore des progrès à faire je pense du côté d'Apple, c'est un peu un comble, mais malgré tout c'est un petit peu difficile parfois de surfer entre ses propres fichiers, les fichiers qu'on a en streaming, donc c'est pas forcément facile. On avait été assez déçus d'ailleurs. Ouais, exactement, mais en fait moi ce qui me plaît vraiment dans Apple Music c'est les playlists. Alors les playlists proposées, je les trouve excellentes, c'est-à-dire qu'il y a des choses ultra pointues, c'est pas comme parfois sur Spotify où on peut avoir la playlist Beach Party avec 150 morceaux pour un peu faire la fête sur la plage, on comprend pas trop ce que ça veut dire. Là il y a vraiment des choses. Spotify c'est trop mainstream pour toi. Ouais, je trouve que c'est un petit peu trop fourre-tout en tout cas. Et là on a des playlists qui ont par exemple tel producteur, tous les morceaux qu'il a produits pour plusieurs artistes dans les années 80, tel artiste qu'on a. C'est vraiment pour les amateurs de musique. Je suis d'accord, c'est voilà, vrai que je trouve que la qualité des playlists et des radios est meilleure sur Apple. Moi je suis pas du tout d'accord. Moi je suis très mainstream mais je préfère les playlists de Spotify. Mais justement, ça te permettra de découvrir de nouvelles choses, parce que pour le coup, on découvre pas mal de choses. Très mainstream, hein, Jérôme. Ouais. On va d'ailleurs titrer la vidéo comme ça. Jérôme est très mainstream. Mais ça... J'aime bien. Non, mais en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que pour 15 €, on peut être toute une famille à utiliser le service. Tout à fait. Ça, ouais. Et d'ailleurs, Google... Spotify, d'ailleurs. Spotify, non, et Google s'est aligné là-dessus hier. C'est beaucoup plus cher. Spotify, c'est 30 € pour 5 personnes. C'est la première fois de l'année, on va dire ça, d'ailleurs. Google n'est pas le moins cher. C'est sûr, c'est sûr. N'est pas le plus cher. Et d'ailleurs, il faut que absolument Spotify réagisse et s'aligne sur les autres services. Oui, parce que tout le monde est à Deezer maintenant. Deezer et Play Music de Google également. Parfait, merci beaucoup Jean-Sébastien. Merci. Mais avant de partir, Jean-Sébastien, il y a le petit bonnet sur la table. Moi j'ai déjà la barbe du Père Noël, est-ce qu'on a le... Non, tu vas voir. Alors attends, on va lui choisir lequel, parce que celui-ci est bien. Ah oui, en plus il a une petite... Avec les étoiles. Vas-y mon grand. Attention, c'est parti, regardez-le. Oh là là, il est magnifique. Je suis pas sûr du résultat. Ah non, non, là, c'est bien. Ça te va très bien. Et ce n'est que le début les amis, vous allez voir. Tout à l'heure quand je mettrai le bonnet. Mais je sais pas si je vais le mettre. Si, tu vas le mettre. D'accord. Ouais. Mais à ce moment-là, il faudra couper les caméras. Et là, c'est bien. Un mot de Twitter, puisque évidemment, vous le savez, vous êtes avec nous et vous pouvez réagir sur Twitter. Leaf nous dit, dans la catégorie autre par rapport au sondage, lui, ce qu'il attend Noël, c'est un Apple Pencil. Sans la tablette. Sans la tablette. Je l'ai lu comme ça, je l'ai découvert en le lisant. C'est très pratique pour gratter les oreilles. Peut-être qu'il a déjà la Pro, cela dit.
Oui, peut-être. Et l'iPad Pro sans l'Apple Pencil. Bah voilà, oui, effectivement. Pourquoi pas. Ok. Hashtag #01live sur Twitter si vous voulez réagir avec nous et commenter tous les coups de cœur de la rédaction de zeronet.com pour Noël ce soir. Il y a toujours donc cette enceinte à gagner. Vous allez sur zeronettv.com. Il y a une petite question sur la gauche de la homepage à côté du player vidéo. Il suffit d'y répondre. Si vous êtes tiré au sort, cette enceinte Cthulhu 2 sera à vous. Bon, on a encore plein de trucs super. Restez avec nous vraiment. Oui. On va un peu déborder, je pense. Après la pense qu'on va déborder. Après la pub. Après la pub. Oui. Et maintenant, la parole est à Christopher. Oui, alors moi, étonnamment, j'ai un OnePlus parmi mes... Ah, ça m'aurait étonné. Ça, c'est pas alors vrai, là, tiens. Alors là, ça aurait entre été étonnant. Entre l'Apple Watch de Jérôme et le OnePlus de Christopher, j'ai rien on dit, est bien. Moi. J'ai rien dit. Ouais. Non, non, je trouve que le OnePlus X, c'est vraiment un smartphone vraiment sympa. Donc, on peut rappeler déjà son prix, là, moins de... 269 euros. 269 euros. D'ailleurs, c'est Jean-Sébastien qui l'a testé. Hein, c'est pour ça que ça tombe bien que tu sois là. Je voulais là. Le mettre dans mes trois, mais voilà, tu vois, plus rapide. Et la vidéo vient d'être publiée, je crois. Hein, le test oui. vidéo. La vidéo a été publiée, ouais, c'est vrai. Vous pouvez la retrouver sur 01net. Ce que j'ai bien aimé, moi, dans ce smartphone, déjà, donc c'est déjà le prix et le niveau d'équipement qui est quand même hyper sympa pour voilà pour ce prix-là. L'écran AMOLED est hyper cool. Et c'est vrai que c'est un design qui change un peu des précédents smartphones de OnePlus qui pouvaient ne pas plaire. Là, c'est un format un peu plus chic, un peu plus classe. Je trouve que le virage est réussi pour OnePlus dans les petits formats. Bien en tout cas de parler de smartphone parce que je reviens à mon classement GFK des cadeaux de Noël high-tech et le smartphone reste numéro 1 cette année encore, bien entendu. Et en plus, on peut aussi saluer le fait que OnePlus a ouvert davantage son système d'invitation. Autant c'était une galère pas possible pour choper OnePlus One. C'est quand même beaucoup plus facile. Ils ont mis sur le web entre 8 et 10 fois plus d'invitations que par le passé. Donc voilà, on peut dire maintenant que c'est beaucoup plus facile de les avoir. Le smartphone recommandé par Christopher Siminelli. Autre choix, Christopher. Oui, autre choix, c'est la box Shield Android TV d'NVIDIA. Franchement, on n'attendait pas spécialement NVIDIA sur le marché des box. C'est un produit qui a fait la surprise. Et déjà, en termes de design, il est vraiment top. On le voit là, il est super fin, donc il s'intègre facilement sous une télé, c'est vraiment pas mal. Et il y a une puissance là-dedans. Tu habites dans un vaisseau spatial, c'est pas mal. Non, mais c'est vrai, le design est hyper étonnant. Et la puissance déployée par cette box est assez impressionnante. Android TV, c'est hyper fluide, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a des processeurs hyper puissants, elle est compatible 4K. Exactement. Donc évidemment, on n'a pas de contenu 4K. Enfin, sauf si on a un abonnement Netflix 4K et la télé qui va bien. Là, c'est une box qu'on peut conseiller. La Freebox Mini, le mini player 4K, qui est lui aussi sur Android TV, on voit bien la différence. En termes de fluidité et de stabilité, c'est vraiment un produit très réussi du côté des NVIDIA. Quel prix, Christopher ? C'est moins de 200 euros. Moins de 200 euros. Et puis, il y a pas mal de jeux. On peut accéder à pas mal de jeux en streaming et des beaux titres en plus. Donc, voilà. C'est une réussite. Du portail Android. Donc on attend, c'est sûr qu'il y ait un peu plus d'applications dans ces prochains mois. Mais je trouve ça vraiment c'est une pas très mal. Bonne surprise de cette année, en effet. Ouais. Et le troisième coup de cœur de Christopher, les amis. Ouais, c'est l'une de mes deux montres coup de cœur. Allez, moi je triche, j'en ai quatre, mais la première, c'est la Pebble. Et regardez, en plus, j'ai une version spéciale Noël. Celle-là. La version Dubaï. Non, version Père Noël. Regarde, elle est dorée et rouge. C'est les couleurs, c'est les couleurs de Noël. Ne dis pas de mal de Dubaï. Tu sais qu'on nous regarde à Dubaï. C'est pas mal. Nous saluons nos amis de Dubaï. Mais c'est vrai que le doré là-bas, chic, regarde, c'est cool, c'est bien. Non, bon, en vrai, c'est pas la plus belle des montres connectées du marché. Faut le dire, on va pas se voiler la face. Elle est même plutôt pas très plutôt joli. Moche. mais l'OS est... Bibble, si tu nous écoutes, t'adore. Autonomie de 8 à 10 jours. Oui, voilà. Incroyable. Avec son autonomie de 8 à 10 jours. Oui, d'accord. Mais je laisserai Internet, Internet te répondre. Mais pour faire quoi? Enfin, l'OS est hyper bien pensé. On peut faire plein de choses. Évidemment, lire ses mails, lire ses SMS. On peut initier des appels. Il y a pas mal d'applications disponibles. Il y en a de plus en plus, d'ailleurs, et certaines assez vintage, assez rigolotes. Et voilà, on peut aller faire du sport avec... Et quel plaisir quand même de ne pas avoir à recharger sa montre tous les soirs, quoi. Je suis désolé, mais... C'est un faux problème, mais bon, c'est pas le sujet. et donc voilà, moi j'aime beaucoup cette montre. L'autre montre que j'ai là, c'est celle de Huawei. Moi je l'ai beaucoup... Je croyais nous sortir une Kelton, je ne sais pas.
Non, c'est ouais, franchement, elle est tout en métal, mais elle reste hyper légère. Évidemment, elle est sous Android Wear. Il y a Android Wear, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est un système en devenir qui n'est pas sans défaut, mais je pense que Google va vraiment améliorer son OS dans les prochains mois. Mais voilà, l'écran est top, en cristal de saphir, c'est la seule montre... C'est laquelle celle-là, pardon ? La Huawei Watch. La Huawei Watch. Ah oui, c'est vrai, une bonne transition avec ce que je vais vous dire après. Ouais. Mais écran en cristal de saphir, c'est la seule montre Android Wear aujourd'hui avec un écran comme ça. Voilà, moi je la trouve très jolie et j'oublie... Elle est épaisse quand même. Ouais, mais elle n'est pas beaucoup plus épaisse que... On dirait une petite ? Une petite saucisse. D'accord, une petite saucisse, d'accord. Comme la parenthèse. Tu la passeras au froid. Venez chercher, il est là, venez chercher. Et en fait, c'est l'une des rares montres connectées où en fait j'oublie que c'est non connecté. Elle ressemble vraiment à une vraie montre. C'est une vraie qualité. Faire la connexion. Bon, et Christopher, donc ça c'est bien, ça c'est tes trois coups de cœur, il n'y a pas de souci. Mais la bonne nouvelle, c'est que sur 0net.com, il y a des cadeaux Huawei à gagner. Et oui, parce que vous avez tous vos chapeaux. Oh, la là. Belle transition. Vous avez tous vos chapeaux, mais c'est moi le Père Noël ce soir. C'est vrai. Aïe, aïe, aïe. C'est toi le Père Noël. Et donc depuis le 2 décembre où on a commencé notre grosse opération Noël sur 01net.com, on fait gagner 5000 euros de cadeaux. Ah non, mais alors si tu fais 5000 euros, t'es obligé de le mettre. Je le mettrai après, pas de problème. Je le mettrai après. 5000 euros de cadeaux. D'accord. On a sérieux, on fait gagner 6 Huawei Mate S, donc le smartphone haut de gamme de Huawei sorti là tout récemment. 2 Huawei Watch, voilà, d'accord, dont je viens de parler, et un bracelet connecté de Huawei, le Talkband B2, voilà, qui est très sympa, qui fait aussi oreillette. C'est impressionnant. Nous on est comme ça. Et je vous rappelle que donc pour gagner, c'est important. Qu'est-ce qu'on a fait pour Noël pour gagner ? Un calendrier de l'Avent. Oui. Donc 24 questions, chaque jour une nouvelle question, vous répondez. Plus vous avez de bonnes réponses, plus vous avez de chances d'être tiré au sort. Et donc évidemment, si vous arrivez aujourd'hui, on est combien aujourd'hui ? Le 10, c'est ça. Le 10. Bah, vous pouvez répondre aux 8 questions déjà passées, donc aucun souci. Parfait. Ça se passe sur quoi, le 25 décembre, là ? Et oui, tirage au sort le 25 décembre. Parfait. Merci beaucoup. En plus, on donne des indices pour chaque question, donc on a été hyper gentils. Très bien. Passage obligé. Je vais y aller maintenant. On ne peut pas faire autrement. Tu restes là. Le bonnet. Le bonnet. Voilà, on enverra ça à ta mère de toute façon. Ne t'inquiète pas. T'as du maquillage ? À toutes tes copines sur le web. Ah, voilà, ouais, bravo, magnifique. Non, mais c'est sans doute le plus sexy des Pères Noël du moment, les dames, messieurs. Regardez-moi ça, Christopher. Moment de solitude. Ouais. On est obligé. C'est pas grave, mais tu sais quoi, Noël. On va tous y passer. Ouais. On efface tout, on recommence voilà, en 2016. C'est ça. Hein, c'est ça. Et puis tu sais tout ce qui se passe dans ce studio. Reste dans ce studio. Bah oui, c'est bien non, connu. C'est faux. Toutes ces caméras, c'est, ça sert à rien. Ça ne marche pas. Merci beaucoup, Christopher. Et je vous remercie pas, moi. Hein. Jérôme, allez, vas-y. Ah, c'est mon tour. Eh ben c'est oui, mon tour. C'est ton tour avec ta sélection de cadeaux. Apple Music, ouais, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Non, mais c'est une belle transition car moi, je vous recommande cette année quelque chose sur lequel vous allez pouvoir utiliser Apple Music ou d'autres d'ailleurs, ou d'autres services de streaming. Parce que vraiment, je pense que le cadeau de Noël, il faut... Alors c'est sans doute celui qui coûte le plus cher, je crois. Je vous recommande chaudement... C'est bizarre parce qu'en général, tu ne choisis pas des cadeaux chers. Non, c'est pas mon genre. C'est étonnant. Voilà. Ouais, c'est assez mainstream, c'est vrai. Ouais. Ouais. C'est pas du tout mainstream. C'est sans doute la meilleure enceinte connectée du moment, peut-être même la meilleure du monde. Mmh. J'espère qu'elle n'est pas casse-figure. Et elle est française, c'est l'enceinte fantôme de Vialet. Ouh là 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 là. Et ouais. Alors attention. Là, les amis, on tape fort. Mais c'est une tuerie internationale, il faut le dire. C'est bon, voilà, j'ai tout dit, c'est la meilleure enceinte connectée. Elle coûte 1700 euros. Une technologie qui est venue de l'espace. Un son à pleurer. Et si vous êtes très riche, vous en achetez deux. Vous avez comme ça la stéréo. Si vous êtes hyper riche, vous en achetez quatre. Parce qu'on peut même en appairer jusqu'à quatre. C'est d'ailleurs la démo qui nous avait été faite lors de la présentation chez De Vialet. Bon, bah, c'est juste impressionnant. C'est la meilleure enceinte sans fil du moment. Et Cocorico, c'est français. Bien sûr, bien sûr. C'est français, c'est génial, c'est une réussite en plus économique. Ils viennent d'être sélectionnés par Apple pour être revendus aux États-Unis dans tous les Apple Store en exclusivité. Mm-hmm. Donc c'est génial. Ouais. Très beau, très très beau cadeau. Je suis d'accord avec toi, même si c'est cher, bien sûr, je suis d'accord. Alors le vas-y. Prix, toujours dans ce domaine, le prix, oui, 1700 euros pièce. Ouais, il y en a une moins chère, je crois. Je crois qu'il y en a une qui a 1000 euros. Ah ouais ? Ouais, mais c'est qui est moins puissante. Bon.
Sinon, toujours dans les enceintes connectées, il y en a une autre qui vraiment m'a bien plu cette année aussi. Alors, on est un peu moins cher, mais on est quand même encore dans le haut de gamme. C'est chez Sonos, enceinte connectée multi-room, la nouvelle Play 5 de Sonos, bah, qui est juste géniale. Elle est meilleure que les anciennes Play 5. Et puis, toujours, bon, les fonctionnalités multi-room. Vous pouvez en appairer, vous pouvez en mettre une, deux, trois, quatre chez vous, suivant votre budget, bien évidemment, et puis suivant la configuration que vous souhaitez. C'est là encore une des meilleures enceintes multi-room du moment. On peut la mettre à la verticale aussi. Exactement. Ouais. Si on en a deux, c'est d'ailleurs conseillé. Comme ça, on a un meilleur tout son. Tout à fait. Okay. Elle est vraiment bien. Et alors, ensuite ? Je continue ? Ah bah, vas-y. Côté télé, moi, j'ai beaucoup aimé l'Apple TV, la nouvelle Apple TV. On va se faire un fight, je sens bientôt. Oui, parce que tu parlais de l'Android TV. Tout à l'heure, c'est vrai qu'elle est pas mal l'Android TV, mais l'Apple TV, elle a, bon, je suis désolé, mais elle a ce petit côté en termes d'ergonomie, de confort d'utilisation. Moi, j'en suis aujourd'hui, je n'allume plus ma box le soir, j'allume mon Apple TV. Parce qu'avec un bouton, j'allume tout. Je vais sur Netflix, où je regarde 01net TV, qui est disponible sur l'Apple TV ? Via l'appli BFM. Exactement, vous téléchargez l'appli BFM TV et vous avez 01net TV. Et tout se fait avec cette petite télécommande, avec la commande vocale. Comme je suis un peu sourd, je vieillis, bah, je rate souvent des répliques dans les séries. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il a dit ? Et il revient en arrière, il me dit des trucs. Bref, toi, les sous-titres bien, avec les sous-titres, etc. Ça, t'as même plus besoin. Oui, t'as les sous-titres comment pour et tout. Plus belle la vie, du coup, parce que... Non, je regarde pas Plus belle la vie, c'est trop mainstream. Mais comment tu dis ? Oui, non, mais elle est vraiment réussie. Oui, c'est vrai qu'elle est bien. Elle est vraiment réussie, la petite Apple TV. Je sais plus le prix. Il faut avoir l'habitude. 200 euros. Il y a deux versions, 179 et 229. Il faut prendre l'habitude quand même avec le pavé tactile, parce qu'au début, ça dérape un peu quand même. Mais non, mais c'est vrai, on est d'accord. Et puis pour terminer... Allez, pour terminer rapidement, un joli cadeau à 200 euros, c'est assez original. C'est français encore, tiens, je suis encore dans les produits français. C'est le Tribi. Tu en parlais ce matin sur 01net TV, François. Oui. Il y a une vidéo que tu as faite qui est absolument dans ma cuisine. Géniale, que je vous recommande. Il elle explique était propre, tout. Hein, elle était nettoyée, c'est ce petit objet un peu insolite. C'est à la fois une enceinte sans fil, à la fois... donc on peut envoyer de la musique depuis son smartphone. On peut le connecter directement à Spotify avec Spotify Connect. Donc on appuie sur le bouton et tout de suite, on a une playlist de Spotify qui démarre. C'est aussi une sorte de téléphone. Alors c'est très difficile à décrire, mais pour, par exemple, vous êtes à l'extérieur et vous pouvez, avec votre smartphone et avec l'appli Tribi, envoyer un message à vos enfants qui sont à la maison. Coucou, je vais rentrer plus tard, etc. Message écrit, ou bien on peut aussi les appeler par téléphone. Le son est plutôt bon. C'est un truc assez original et assez sympa. Vraiment sympa. Et c'est français. Et c'est français, je l'ai dit. Ouais, tout à fait. 199 euros, mesdames, messieurs. 199 euros. La Tribi. Bon, très bien. Allez. J'y vais pour moi ? Oui. Allez, les coups de cœur. Premier coup de cœur, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Ah oui. Non. Mais non. Celui-là, il est bien, il est mieux. Oui, il est mieux celui-là. Non, celui-ci est bien. Avec le non, fond, c'est le mieux. Il est mieux celui-là. Il est plus rembourri. Il tient, parce qu'on, comme on a un peu froid sur le studio, là, sur le plateau, là, tu seras mieux. Alors, un gros plan quand même pour Jérôme. Alors pourquoi un gros plan ? Ah ben, quand même. Il faut quand même qu'on voit à quoi ça ressemble. Fais voir. Ah, c'est superbe. Magnifique. Attends. Je suis un homme sérieux en réalité. C'est, hein. Bien. C'est bien. C'est le pompon, hein. C'est qu'à le dire quand même. Voilà, et c'est fait. Merci. Bon, ça c'est fait. Le métro coup de cœur, François. On va commencer par un produit Apple. Ah bon ? Eh oui. Et alors mon coup de cœur côté smartphone, c'est quand même l'iPhone 6S Plus. Alors vous dites pourquoi ? Bah parce qu'en fait, non, on dit c'est d'accord. Vrai qu'on pourquoi parce que c'est vrai qu'on teste énormément de smartphones tout au long de l'année. C'est vrai qu'il y a d'excellents smartphones qui sont vraiment meilleurs que l'iPhone 6S Plus en termes de qualité d'écran, d'appareil photo, etc., de hardware. Mais malgré tout, quand on réfléchit, quand on se pose tranquillement, bah on se rend compte que l'iPhone 6S propose sans doute le meilleur équilibre entre la technologie, entre la technique et le soft. C'est bien dit. Et c'est vrai que... Comme c'est bien analysé. Non, mais aujourd'hui, c'est pour moi le meilleur smartphone du moment, même s'il est très cher et même s'il est quand même, on est d'accord, toujours scandaleux que Apple fournisse en entrée de gamme une version à 16 gigas. Ça devrait être mais banni. Ça devrait être interdit. Honte Apple. Ouh. Voilà. Ça, c'est mon il y a un projet de loi, hein, je crois, contre ça. Hein. Je pense. Macron est sur le coup, d'ailleurs. Deuxième coup de cœur. Alors ça, franchement, c'est un coup de cœur très récent. J'étais il n'y a pas longtemps, j'ai fait un long vol transatlantique. Et tu sais, quand tu fais des vas-y, raconte-nous ta vie. Ouais. Non, mais tu aimes bien être tranquille. Tu sais, poser, ne pas entendre les bruits des réacteurs, c'est etc. C'est un siège.
C'est un coussin. C'est un fauteuil. C'est un réacteur en fait. C'est un petit coussin. Non, non, c'est un casque et c'est un casque Sennheiser, c'est le Momentum Wireless. Très, très bien. Bon, alors je vous dis tout de suite le prix parce que ça fait mal, c'est 450 euros, les amis. Ouais, mais alors, je pense que ça les vaut. Hein. Pour ce prix-là, on a une qualité de son qui est, moi, je trouve vraiment excellente, en tout cas qui me correspond. Il est vraiment, en plus, très confortable. Il est et très beau. Le système d'annulation de bruit, en fait, est très efficace. Il est Bluetooth, bien sûr, puisque c'est wireless. Et à 450 euros, ils avaient quand même intérêt. Mais c'est du cuir. Et c'est du cuir, c'est oui, non, mais il est superbe. Hein. Ouais. Franchement, il est super bien fini. C'est un très, très beau cadeau. Cela dit, il y a beaucoup plus cher chez Sennheiser. Ils en ont sorti à 50 000 euros. Hein, voilà. Dire, bon, mais bon, 450, dans l'avion, c'est pas facile. Dans l'avion, c'est pas facile parce qu'il faut prendre la platine CD et tout ça. Avec. Ouais, ouais. Voilà, celui-là, finalement, c'est presque peanuts à côté. Ouais. Et pour terminer, mon troisième coup de cœur, bah, c'est une télé. Le meilleur pour la fin. Bah ouais, mais parce que c'est vrai que depuis des mois et des mois on en parle, depuis des mois et des mois on bave quand on la voit comme ça. Elle était au labo 01net il y a encore quelques jours de cela. C'est la télé OLED LG. Voilà, qu'elle soit incurvée ou pas, qu'elle soit 55 ou 65 pouces, de toute façon, voilà, moi je suis une fiancée avec cette télé, pour tout vous dire, voilà, c'est magnifique. Ça m'étonne pas de toi. Et c'est franchement l'une des grosses émotions que j'ai eues en regardant un produit high-tech. C'est vrai, il y avait une petite larme l'autre jour. Voilà. Non mais c'est vrai que c'est une expérience visuelle assez incroyable. Voilà, quoi. C'est complètement OLED, c'est OLED UHD. Ou que OLED. Alors non, 4, OLED Ultra HD, autant prendre le gamme, hein, OLED Ultra HD. Pour le modique prix de... Alors, la 55 pouces est à 3005. Oh, ça va, je m'attendais à pire. Ouais, bon, c'est quand même... ça a démarré à 6000 quand même l'année dernière. Donc, et la 65 pouces est, je crois, à 6000. Ouais. Un truc comme ça. Voilà, bon, là, ça fait mal, hein, bien sûr. Mais bon, franchement, sans doute, pour moi, l'une des meilleures télés du moment. Et je vais terminer avec un truc qui est assez drôle, Jérôme, de nos copains de chez Orange. C'est la nouvelle box. Non, mais vous savez ça. C'est la boîte à émotions d'Orange. La boîte à émotions. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Je trouve ça très rigolo. En fait, c'est une boîte donc, où dedans vous allez mettre tous les cadeaux que vous allez offrir à quelqu'un. Ok. Et admettons, alors je ne sais pas si on a récupéré la boîte est vide et on met le cadeau qu'on a. On a la vidéo dedans. Ou pas? Voilà, parce qu'on a fait un petit essai tout à l'heure. Donc tu mets les cadeaux dedans, ouais, d'accord? Et par exemple, tu remplis les cadeaux et tu me l'offres. Cette boîte, ok. D'accord. Et quand je vais l'ouvrir le 24 décembre au soir, j'ouvre qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur, il y a un petit appareil photo qui fait une petite vidéo. Et ce qu'il y a de super, c'est que tout se fait automatiquement. À partir du moment où vous ouvrez, ça filme. Dès que vous refermez la boîte, la vidéo part par mail et arrive au destinataire, en fait, automatiquement. Et c'est très très drôle. Franchement, c'est fun. Bon, alors, ça sert à rien. Un cadeau d'ailleurs, on peut mettre plein de trucs et voir l'émotion des exactement, personnes. Exactement. Oui. Je vous laisse donc là, imaginer. Alors, t'as ouvert la boîte. Là. Exactement. Voilà, tu vois, ça, c'est exactement filmé avec le petit... En plus, ça fait vachement naturel. Ouais, c'est ça. C'était une télé OLED qu'il y avait dans la boîte. Jouer la comédie parfaitement, on est d'accord. Alors, ce truc-là n'est pas à vendre. En fait, c'est un truc rigolo, c'est que vous allez sur le site d'Orange Boîte Émotion, enfin, vous tapez ça sur Google, vous trouverez facilement. Et il suffit de s'inscrire. Et si vous êtes tiré au sort, il y a 5000 boîtes à gagner. Quoi, ça? Eh ben, t'as des boutons, c'est pour la configurer. T'as un bouton play et compagnie. Ouais, c'est pour la configurer. Ah parce oui, que la configurer. À l'intérieur, il y a de la 4G. Il a mis 25 minutes à la configurer. Non, sérieux, c'est hyper simple. Ça envoie la vidéo. Et oui, et bien sûr, il faut que la vidéo parte. Et bien sûr, évidemment. Donc, vous avez une puce, une carte SIM, etc. Et vous pouvez recharger. Alors, je ne sais pas si on peut revoir. Vous avez une petite prise micro USB pour recharger là. Donc, vous pouvez vous en servir plusieurs fois. Alors, c'est drôle, voilà. Puis en plus, Orange les offres. Il suffit de s'inscrire si vous êtes tiré au sort, vous la recevez et puis voilà. Très marrant. Très sympa. C'est marrant ça. Ouais. À bientôt, au revoir. Non, c'est pas ça qu'il faut. Non, c'est pas ça. Attends, mais alors, à bientôt, au revoir. Le sondage. Le bonnet. Oui. Ah ben oui. Bonnet. Non mais là je vais me venger. Le bonnet. Merci Florian. Alors je prends lequel parce qu'il y a plusieurs modèles. Hein. Je trouve que celui-là il est bien ridicule, il est bien. Ouais. C'est celui que je déteste en plus. Autant l'autre il est bien ridicule. Ah mais ah oui, ça... Dans ma tête, non, mais on veut pas le savoir. Trouvez-lui un truc qui rentre. Tu veux dire que t'as trop la grosse tête, c'est ça? Ça. Merci Christopher de le souligner. Non, c'est pas vrai. Mais non. C'est bien ou pas? Ça vous va? Ça te va merveilleusement bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire là? Rien, là, de toute façon, c'est fini. Hein, là. Juste avant qu'on parte, moi je voudrais faire un petit coucou, un petit clin d'œil, puisqu'on était dans les cadeaux de Noël.
Il y a le Noël de la French Tech. On peut juste en dire un mot très brièvement. Et Florian, si tu peux nous montrer l'image que j'avais sur mon écran. Voilà. Pendant ce temps, il s'amuse. On a perdu français. C'est quoi le Noël de la French Tech? Vous allez sur noeldelafrenchtech.fr. Ce sont des idées cadeaux, mais qui sont proposées essentiellement par des startups françaises de la French Tech. Il y a de la high-tech, mais pas seulement. Voilà, c'est sympa et ça méritait qu'on le signale également dans Zero Live aujourd'hui. Très bien. Oui, et puis on peut signaler aussi que le dossier de Noël de Zero Net est toujours en ligne. Oui. Évidemment, qu'il le sera jusqu'au 25 décembre. Il y a plein d'idées cadeaux dans tous les domaines, sport, smartphone, voilà, photo, audio. Il y a plein d'idées vraiment. On a mis les bouchées doubles cette année. Si vous ne trouvez pas votre cadeau high-tech là-dedans, c'est que c'est cool, faites exprès. On ferme tout, on arrête. Voilà, et puisqu'on parle de French Tech, sachez qu'on va en parler énormément début janvier, puisque nous serons au CES de Las Vegas, avec beaucoup de surprises, des émissions en direct bien sûr. Les plus grands décideurs seront au micro de Zeronet TV. Évidemment, on découvrira les plus grandes startups. C'est vrai que c'est pas très sérieux. L'enlever maintenant, c'est bon. Ouais. Ah, dernier point sur la question 01net Orange. Oui. Quel cadeau de Noël attendez-vous? Voici les résultats du sondage du jour. C'est toujours Autre qui arrive en tête. Merci Autre. Merci. Merci. Moi, beaucoup. J'aimerais beaucoup qu'on m'offre un Autre aussi. On a une rubrique Autre d'ailleurs hein, sur le shopping de Noël. Donc Autre. Ouais. Ça peut être drone, trottinette, bonnet. J'imagine la boîte. Oh, quel merveilleux Autre. Superbe. Bon. Et je l'avais pas. Voilà. Je l'avais pas dans ma collection d'autres. Oui. Oh mon Dieu. On va arrêter là les amis. On est au bout du rouleau. En deux, le casque ou enceinte, trois smartphones, ordinateur, objet connecté et la tablette pour terminer. Voilà. On a fait le tour, je crois. On a oublié. Hein, on a été ridicule, on a fait tout ce qu'il fallait. Ouais, donc tout absolument. Va voilà. Il est 7h quand même. Merci de nous avoir suivis. Merci, merci à Florian Beaufreton, Jean-David Duarte et Pierre Thiolin qui réalisaient ce talk. Et on se retrouve bien sûr jeudi prochain. Alors je voulais aussi remercier chaleureusement Gamme Vert. Pourquoi? Parce que c'est grâce à Gamme Vert que nous avons ce magnifique sapin derrière. Voilà. On voit le sapin. Donc merci Gamme Vert. Et en plus, ils font un truc très sympa, c'est que vous commandez sur internet le. On voit que le haut du sapin, c'est terrible. Voilà, ça y est. Vous commandez sur internet le sapin directement. On vous le livre à la maison en 48 heures. C'est très vite, c'est très rapide. Vous pouvez choisir la taille et tout. Et puis en plus, c'est pas très cher. Donc merci à eux de nous l'avoir apporté ici ce soir pour être dans l'ambiance. Mmh, voilà, magnifique. C'est cool. Et bonne fête de fin d'année à tous. Quand même. Mais bien sûr, oui, bien sûr, bonne fête. On revient quand même la semaine prochaine. On sera là, évidemment. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous sur 01net TV et à très vite. Salut à tous.